Philippe Gaillard, je vous présente en un mot à nos auditeurs. Vous êtes le chef de la délégation du CICR au Rwanda. Vous avez 38 ans, vous êtes valaisan de Ried. Vous avez une douzaine d'années de CICR derrière vous, je crois déjà, avec les points du globe les plus chauds, l'Irak, l'Amérique centrale, l'Amérique latine. Alors, interview donc de Monsieur Philippe Gaillard. D'après ce que nous savons ici en Europe, les combats semblent se poursuivre et le CICR, et Dieu sait si vous êtes bien placé pour le savoir, parle maintenant de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de morts au Rwanda. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a sans doute pas un seul Rwandais qui, de très près ou de loin, ne soit pas affecté par cette folie meurtrière qui s'est mise en route il y a 15 jours au Rwanda. D'abord, moi, je ne prétends pas être vigneron. Je suis un tâcheron. Le vigneron, c'est Didier. Moi, je sais vendanger, désherber manuellement, ébourgeonner, tailler. Non, mais je sais pas faire du vin. Avant, je sais le boire, ce qui est déjà pas mal. Alors, pourquoi tu as décidé de devenir tâcheron en vigne? Ah, parce que j'en avais marre de traiter tout le temps avec des morts et des amputés et des orphelins et des veuves. Et des disparus, et des familles de disparus. Et puis que je voulais faire quelque chose qui soit en rapport avec la production de la vie. Mais c'est quelque chose qui te taraudait depuis longtemps? Ou c'est venu comme ça, après un ras-le-bol? Le Rwanda a accéléré le processus. Donc ça, c'était il y a 20 ans. Oui. Le 6 avril 1994, l'assassinat du président de la République du Rwanda signe le déclenchement du génocide. Durant 3 mois, 800 000 personnes, en majorité de l'ethnie Tutsi, sont massacrées par les milices Interahamwe. Dès le début des massacres, les organisations humanitaires quittent le pays. Et c'est dans cet enfer que le Comité international de la Croix-Rouge décide de rester seul à Kigali. Philippe Gaillard est à la tête de cette équipe d'expatriés et d'employés rwandais. Ensemble, ils vont sauver 80 000 personnes. 20 ans après, Philippe nous raconte son Rwanda. Chaque fois qu'il revenait de mission, il m'amenait une bouteille de vin, il passait boire un verre et puis demandait comment allait la campagne, parce que c'est un fils d'agriculteur aussi à la base. Donc il était quand même branché sur l'agriculture. Sa passion c'est quand même affirmée sur le vin. On a tous des moments dans la vie qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Lui, il en a eu un en retour du Rwanda. Et puis on était là, en fait, on lui a donné la main, on l'a bien accompagné, sans comprendre ce qui s'était passé. On avait quand même, on se doutait quand même qu'il y avait eu, que l'événement était assez fort pour lui. Hein. Et on se doutait, mais sans prendre conscience réellement. Et puis après, moi j'ai aussi des problèmes. Et puis là, il m'a tendu la main. Et puis après, c'est une amitié sans fin qui se lie, quoi, c'est normal. On est un peu comme deux frères. Donc il y a, tout est bio, il n'y a aucun adjuvant. Tu as produit combien de bouteilles ça? C'était un nombre impair, j'ai eu une bouteille de plus. Philippe a quitté le CICR en 2007. Il s'est associé à Didier Jeurys, vigneron et œnologue réputé. Ensemble, dans les vignes du cirque de Chamozon, en Valais, ils sont producteurs de vins biologiques. On sentait que quelque chose allait se passer, on ne pensait pas que ça serait aussi massif que ça, parce qu'ils ont quand même, je veux dire, pour massacrer au tournevis et à la machette 800 000 personnes en 6 semaines quasiment. Comment s'est pris la décision de rester à Kigali? Je pense qu'un des facteurs très importants, ça a été de ne pas abandonner nos quelques 120 collaborateurs rwandais.
Lors d'une bonne partie, ce serait sans doute fait massacrer si on n'était pas resté. Genève nous a en tout cas pas demandé de partir. Et nous, on était d'accord de rester. Mais aussi parce que, comment dire, j'avais quand même un réseau d'interlocuteurs de tous bords qui était quand même assez sérieux. On pouvait parler avec tous les diables. J'avais les coordonnées de tous les preneurs de décision. Il n'y a rien. C'est extraordinairement particulier de vivre en direct un génocide, d'être le témoin. Son équipe et lui ont fait un travail incroyable. C'est la première fois où c'était une des premières fois où un délégué, dans une situation de violence inouïe, témoignait chaque jour, parce qu'habituellement, ce n'était pas les habitudes de la maison, on était plutôt langue de bois et discret. Et je dois dire que son témoignage a marqué. Ça a été, je me souviens, lorsqu'on était au siège, tout le monde suivait ce qui se passait au Rwanda. On était les seuls, le CICR, et son équipe et lui ont quand même sauvé des dizaines de milliers de vies. Même s'il a l'habitude de dire que ce n'est qu'un millimètre d'humanité sur des kilomètres d'horreur. J'avais deux livres dans la délégation, c'était les conventions de Genève et puis Une saison en enfer de Rimbaud. C'est quand même plus drôle de lire Rimbaud que de lire les conventions de Genève, non? Surtout lorsqu'elles sont bafouées à ce point. Et tous les soirs, lorsqu'on mangeait ensemble, c'était un peu comme une prière. Je lisais à mes collègues poèmes de Rimbaud. Qui ont tous le mérite d'être courts, hein, c'est du 10-15 lignes, c'est parfait. C'était une façon de créer un peu de silence avant le repas. Et de boire d'abondantes bouteilles de pauillac qui avaient été volées par les miliciens Interahamwe Hutu à l'ambassade de France. Alors, on avait pu racheter le Pauillac 1985 pour 5 euros la bouteille. C'était quand même sympa. J'ai été arrêté à un barrage de militaires ivres. Je m'arrête. Et leur chef me dit avec son accent rwandais, donne-moi les clés de ta voiture. J'ai dit non, je ne vous donne pas les clés de la voiture, parce que ce n'est pas votre voiture, c'est celle de la Croix-Rouge. Et puis si vous insistez, je vais de ce pas voir le ministre de la Défense, Augustin Bizimana, et si nécessaire, Théoneste Bagosora, celui qui a orchestré finalement toute la gestion des miliciens, des tueurs. Je dis, je vais les voir, ces deux, et je dénonce votre comportement, le comportement de votre barrage. Et le type qui avait sa mitraillette sur mon ventre, il a baissé sa mitraillette et m'a dit « C'est bon, vous pouvez passer. » J'ai cru qu'il allait tirer. Parce que s'il tire, je ne peux pas aller voir ni Bagosora, ni Bizimana. Il n'a pas tiré, je comprends pas, je comprends toujours pas. Mais tant mieux. Il ne faut surtout pas montrer qu'on a peur dans ces cas-là. Mais c'est dur.
C'est pas moi, hein. Je tiens à préciser. Maria Teresa, la Colombienne, et Philippe, le Suisse, sont mariés depuis plus de 20 ans. Tous deux délégués du CICR, ils étaient dans la région des Grands Lacs en 1994. Philippe à Kigali, Maria Teresa à la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda. Elle a passé les 3 mois du génocide à travailler sans relâche auprès des réfugiés. Je l'ai vue une fois, quand il y avait le problème de tirs du FPR qui tombait dans la délégation. Il fallait décidément discuter avec Karam. Et je l'ai vue, c'est la première fois qu'on se voyait. Et j'avais pris de Colombie un grenat. Le grenat, c'est une pierre qui fait en sorte que la vibration descend. Et du coup, les personnes passent inaperçues. J'ai dit un grenat, et puis tu le gardes, et puis il me dit, mais franchement, mais monter jusqu'ici, et puis te voir, et puis je dois descendre avec des gris-gris. Alors je lui ai dit, tu l'appelles comme tu veux. Mais tu le mets dans ton paletot, tu ne l'enlèves pas. Juste pour ta douche et encore, ok? Ok, Garrido. Et puis voilà, il dit Garrido quand c'est difficile pour lui. Mais je m'en fous, il l'a mis. Et puis il est parti avec, c'était très bien, mais je l'avais vu. Et puis voilà, quand il est venu me chercher, le 6 juillet, après me dire salut, il m'a dit voilà ta pierre. Merci, je l'ai récupéré, je l'ai gardé, je l'ai encore. Voilà. Monsieur Gaillard, qu'est-ce que vous pouvez faire face à l'immensité de ce désordre, de ce carnage, de cette folie? Alors écoutez, à ce stade, ce qu'on a pu faire, c'est une goutte d'humanité dans une mer de sang. Nous avons un hôpital chirurgical ici à Kigali. Il y a actuellement 83 blessés que nous y soignons, avec une équipe chirurgicale de très haut niveau, des gens extraordinaires. On a pu nourrir, je pense, une trentaine de milliers de personnes, simplement dans la ville de Kigali, dans les collines sous contrôle gouvernemental et dans les collines sous contrôle du Front patriotique rwandais. Des populations civiles complètement terrorisées qui se sont réfugiées au stade national, à la préfecture, dans des églises, à l'hôpital de Kigali. Nous soutenons les infrastructures de cet hôpital en fournissant des médicaments, en apportant de la nourriture pour sauver ce qui peut encore être sauvé à Kigali. Je ne sais pas si d'ici quelques jours il y aura encore des civils dans cette ville si la guerre continue avec cette force. Et puis on est en train de monter un dispositif sur tous les axes de pénétration au Rwanda, depuis le sud, depuis le Burundi, depuis le nord, depuis l'Ouganda, depuis la Tanzanie à l'est, et puis depuis le Zaïre à l'ouest, de façon à nous préparer à répondre aux besoins énormes que le Rwanda va connaître d'ici une semaine ou deux. Et j'espère une chose, c'est que la communauté internationale, malgré l'oubli dans lequel est un petit peu tombé le Rwanda, après plus de 10 jours maintenant, de quasiment 15 jours de guerre, que la communauté internationale n'oublie pas le Rwanda. Je ne sais pas si le corps diplomatique était resté, si les UN étaient restés avec leur... Qu'est-ce qu'ils étaient là-bas? Peut-être 1500 hommes à peine. Je sais pas, quand la folie furieuse s'empare des gens et puis qu'on massacre à tour de bras partout dans le pays, je veux dire, il n'y a pas un village qui n'ait pas été épargné. Je ne sais pas quels moyens il faut mettre en œuvre pour arrêter une telle folie. Je sais pas, est-ce que la communauté internationale aurait dû déployer, je sais pas, 50 000 hommes en mettant partout, dans tout le pays, mais ils seraient devenus peut-être une partie au conflit et pas une solution, je sais pas. Et tu as été surpris par cette folie qui s'est emparée de... C'est quelque chose que tu avais pu imaginer avant. Non, pas dans cette
cette dimension-là. Et après, je me souviens qu'après une semaine, on a reçu un téléphone de la BBC qui nous ont demandé, en anglais, vous estimez à combien le nombre de personnes massacrées? J'ai dit 250 000. Puis ils me téléphonent une semaine après et me disent, la semaine passée, M. Gaillard, vous avez parlé de 250 000 morts, quelle est votre nouvelle évaluation? J'ai dit 500 000. Et une semaine après, ils m'ont téléphoné en me reposant la même question, et ça a été la dernière fois qu'ils m'ont posé cette question, parce que je leur ai répondu, after half a million, sir, I just stopped to count. Après 500 000, monsieur, j'ai arrêté de compter. Mais j'étais pas fou dans mes estimations. En fait, c'est moi qui me suis intéressé à ce qui s'était passé. J'ai jamais trop discuté de ça avec Philippe, mais j'ai dû faire justement mon travail de maturité, qui est un travail final quand tu finis l'école secondaire. Et puis j'ai décidé de faire sur le génocide, surtout parce que j'avais déjà toute la bibliographie. Oui, ma mère a lu mon travail de maturité, puis mon père aussi en fait. Mon père aussi l'a lu, surtout pour des questions de grammaire et d'orthographe. Disons que je vois maintenant un peu la chose avec un peu plus de clarté, tout ce qui s'est passé, toute la situation là-bas. Mais peut-être que j'y pense aussi un peu moins maintenant. Enfin, j'y pensais pas beaucoup non plus, non, loin de là, mais je vois comme quelque chose qui est déjà plus derrière dans le passé, comme ça, quelque chose qui a été franchi. Lorsqu'il est rentré, immédiatement après son retour, un de ses amis, Bourdin, du CICR, et moi-même, l'avons rencontré ici. Il était dans une période totalement euphorique. Il se baladait dans Saint-Pierre-de-Clage, les gens descendaient du tracteur, lui faisaient la bise. Profitant de l'amitié qui nous liait depuis très nombreuses années, et surtout aussi d'avoir vécu ensemble dans des contextes, je le disais auparavant, comme la Colombie avec les FARC, dans des contextes aussi politiques compliqués, de sécurité également. Donc on l'a écouté, plusieurs heures, et on est ressorti vraiment secoué parce qu'il avait vécu. Il était encore là-bas, on sentait qu'il était extraordinairement marqué, aujourd'hui encore. 20 ans après, on sent que les blessures ne sont pas complètement cicatrisées. Alors on va commencer par le commencement. Quand j'ai acheté cette ruine en 1992, la première pièce que j'ai commencé à restaurer, ça a été celle-là, qui était complètement bouchée. Je suis tombé sur cette inscription à la sanguine, sans doute de la fin du XVIIe siècle. C'est écrit avec du sang de bœuf. C'est si Deus pro nobis, le nobis, hélas, est tombé, queis contra nos, nemo, avec une croix tréflée en dessous, si Dieu est avec nous, qui est contre nous, personne. C'est sauf erreur du saint Paul, lettre aux Corinthiens, 13-31. Voilà. 27 juin 1994, 11 heures du matin, 41 blessés attendent dans ce camion d'être évacués de l'hôpital de la Croix-Rousse. Un obus tombe à moins de 50 mètres du camion. Ordre est donné au personnel de l'hôpital de se rendre aux abris. La dernière bombe qui est tombée à 20 mètres de l'hôpital. Il y a tant de camions, 41 blessés, qu'on est même incapable de décharger. Et je ne sais pas dans quel état sont ces blessés. Philippe Gaillard est le patron de la Croix-Rouge à Kigali. Le 9 avril, alors que tout le monde fuyait la ville, c'est lui qui a improvisé cet hôpital. Avec 8 expatriés et une trentaine d'employés locaux, l'hôpital a reçu depuis bientôt 3 mois jusqu'à 400 blessés par jour. On ne prend pas de risque à ce stade pour aller ressortir les blessés du camion. Si la situation le permet, on va le faire à temps.
D'accord, dès que le temps s'éclaircira, on les remettra à leur place. Nous le découvrirons quelques minutes plus tard, le camion n'a pas été atteint. Nouvelle tentative, le 28 juin au matin, François est le chauffeur du camion. Pour la gaz commencée, on a commencé à aller à l'aéroport. La ligne de front était beaucoup plus loin. Et puis on faisait d'autres déplacements au sud de... Ça, c'est un départ. Au sud de la ville, où on s'est fait tirer dessus pendant 1h20, on est tombé dans une embuscade. François a conduit pour la Croix-Rouge en Afghanistan, en Somalie, au Sri Lanka. Sa cabine n'est toujours pas blindée. Alors là, c'est le point chaud. À partir d'ici, la ligne de front est juste en fait en bas. C'est le seul endroit où on peut prendre un peu de vitesse pour éviter les tirs. Arrivé à l'hôpital King Faisal, tenu lui aussi par la Croix-Rouge, mais en zone FPR, à l'abri des bombes. 40 des 41 blessés ont survécu à ces 24 heures de calvaire. Dans le même temps, dans le centre-ville, la tragédie se poursuit. Un homme est arrivé en pleurs à l'hôpital, un enfant de 9 mois dans les bras. Il vient de trouver sa femme et son enfant complètement éclatés et morts. Et il lui reste plus qu'un petit bébé de 9 mois. Et il est en train de là. Après 6 mois de mission, Philippe Gaillard a quitté Kigali ce mercredi, 2 jours après la prise de la ville par le FPR. Il n'a pas fait le décompte des vies que la Croix-Rouge a pu sauver. J'étais entouré de personnes remarquables. Moi, j'ai peut-être plus tous leurs noms en tête, mais François Conrad, mécanicien, chauffeur de camion, lorsqu'on transportait nos blessés sur des matelas, sur le camion remorque, pour aller de notre hôpital de fortune jusqu'à l'hôpital du Sheikh Faisal. Je crois qu'il fallait traverser les lignes de front. Ouais, c'est des gens précieux. Chapat, notre administrateur, qui allait tous les jours au marché acheter des vaches pour qu'on puisse de temps en temps manger de la viande et faire boucherie dans le jardin de la délégation. Remarquable, courageux, super. Nos médecins, il y en a pas mal qui ont craqué, donc on a dû rapatrier. Mais qui ont été ouais, absolument remarquables. Et j'ai toujours dit aux gens, ne vous croyez surtout pas obligés de rester. Si vous sentez que vous commencez à trembler ou à avoir peur, vous venez me le dire et vous rentrez. Et il y en a pas mal qui ont eu le courage de venir me dire, je me souviens, comment est-ce qu'il s'appelait, Stéphane, je ne sais plus. Il vient me voir un jour, il me dit, écoute, d'habitude je tremble jamais, mais là j'arrive plus à dominer. Et sa main tremble, mais comme une feuille. Je dis, écoute, Stéphane, il n'y a aucun problème. Tu quittes le pays demain. Et est-ce que toi, le fait que tu aies la responsabilité de l'équipe, ça te donnait aussi du courage? Par rapport à ta propre peur à toi? Oui, oui. Modestie à part, je pense que j'ai fait les manœuvres les plus exposées. Lorsqu'on faisait des transferts de blessés, c'était toujours moi qui y allais, personne d'autre. Avec le chauffeur de camion. C'est celui qui ouvrait la route et puis qui discutait avec les miliciens au barrage, c'était moi. Il ne faut pas demander aux autres de faire quelque chose qu'on n'a pas le courage de faire soi-même, ou bien. Je pense que Philippe est un excellent comédien, mais en général, pour tout, dans tout ce qui est. Dans tout ce qui est, oui, travail, et quand il y a un enjeu, que ce soit du CICR ou que ce soit, oui, personnel par rapport à lui, c'est un très habile négociateur. Il a une manière de résoudre les conflits et de résoudre les différences et de mettre ensemble les gens par la résolution vraiment pacifique, civilisée. Il a besoin de savoir jouer les cartes au bon moment. Et il le fait. Et il le fait. Je parie jamais avec Philippe Gaillard. Je parie pas un franc avec Gaillard parce que je perds systématiquement. Voilà. Ok. Bonjour.
tarte aux oignons, ce qu'on a reçu la semaine passée. Les... Salut. Salut. Bonjour, tarte. Salut. 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 Oh mon Dieu, que c'est beau. Papa. Je... jamais parlé de ça avec mon père. Jamais, j'ai jamais demandé, viens papa, on discute du Rwanda. Viens, tu me dis comment c'est. Jamais, 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 jamais. Et encore maintenant, je pense, jamais j'oserais. Je sais pas. Je pense que je me suis jamais rendu compte de combien ça coûte à mes parents, de combien ça a coûté et sans doute combien ça coûtera encore. Non, moi je me rendais jamais compte de, en fait, de ce qu'ils faisaient, de ce que ça exige, enfin de tout ça quoi. Moi je me rendais juste pas compte. Et encore maintenant, je pense que je me rends pas compte de la moitié de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils font pour ma mère. Mais je sais pas, je les ai toujours vus un peu comme des petits héros. Des gens qui sauvent le monde, même à toute petite échelle, mais quand même. Je sais pas, je voyais bien mes parents comme des gens bien, des gens vraiment bien. Cette expérience t'a fait découvrir des choses sur toi-même ? Oui, maintenant quoi ? Je sais pas. J'ai dû en tout cas me... Mais c'est un peu une blague ce que je vais me répondre. Je me suis en tout cas découvert des talents d'acteur. Comme lors de cet incident au barrage, là. Depuis quand on est mort plusieurs fois, c'est quand même... C'est quand même sympa d'être encore vivant. Il a pris un certain temps, il nous a pris un certain temps, je crois, pour réaliser combien on était affectés. Mais chacun a fait son chemin. À sa manière, chacun a fait recours à ses moyens. Je crois que le fait de l'arrivée de notre fils, c'est le cri de la vie qui prend les dessus, et puis le fait que notre fils arrive, ce qui était prévu, hein, on s'était dit qu'on allait faire des gamins au Rwanda. Et puis, l'émerveillement autour de cet événement, la présence de Benjamin et tout, nous a fait en sorte que ça se voile un peu, les conséquences, qu'on les travaille plus ou moins, l'un et l'autre, et on a pu aller de l'avant. Après, c'est notre fille qui est arrivée et la fête continuait. Cette fête de la vie, cette célébration profonde de la vie continuait. Magnifique pénicillium. C'est noir. C'est dur. Comme ça, on sait ce qu'on mange, qu'on a le plaisir d'avoir fait. Et ce plaisir-là, tu l'as tout le temps, finalement. Oui, moi j'ai toujours aimé bien cuisiner. Ma mère était maîtresse ménagère. Alors depuis tout gosse, j'ai participé aux dindes de Noël, à ces choses-là. Donc tu quittes définitivement le Rwanda quand ? Le jour de mon anniversaire, le 6 juillet 1994. Ah oui. Ouais.
2 jours après la chute de Kigali. Tu rentres en Suisse ? Oui, je prends ma voiture, je vais jusqu'à Nairobi, dans la route. Ah oui ? Et puis après, je suis rentré en Suisse. J'ai vu le psychiatre du CICR qui voulait savoir si j'étais en bon état. J'étais pas en bon état, mais il a rien vu. Comme je suis un bon acteur, j'ai tout caché. Pourquoi t'as tout caché? Pour qu'on te foute la paix? Ah, parce que je suis fondamentalement quelqu'un de timide et de réservé. Et il t'a cru, le psychiatre? Il a en tout cas vu que du feu. Et quand t'es arrivé à Genève, le CICR est venu te chercher à l'aéroport ou t'y es allé? Comment ça s'est passé? Non, pas à mon souvenir. Je suis allé au CICR avec le bus 8, comme on fait toujours. J'ai été reçu par Cornelio Somaruga, qui m'a donné une médaille, c'est une pièce de 5 francs, avec sur une des faces le portrait ou la gravure d'Henri Dunant. Alors je lui ai dit, oui, monsieur le président, vous êtes c'est trop payé. Une thune pour faire le travail qu'on a fait, c'est vraiment gentil. Je suis sûr qu'il a adoré. Il me dit, Philippe, arrêtez avec votre cynisme. Tu l'imites super bien. Et puis j'ai aussi appris que pendant de longues semaines, vous avez refusé de téléphoner à vos parents. Écoutez, il y a un moment pour tout. Nos parents nous ont éduqués pendant un certain nombre d'années, puis après un certain nombre d'années, c'est aux enfants d'éduquer leurs parents. C'était plus gérable. Mes parents me foutaient une pression considérable pour que je rentre. Ah ouais, donc. Alors j'ai plus répondu. Silence radio. Donc ils écoutaient la radio. Ce qui était pire, c'était, je pense, encore plus angoissant pour eux, mais bon, c'était pas mon but. Mais on peut pas tout faire. Du reste, les bidons, ils étaient pas mouillés du tout. Donc il y a un peu de coulure. Philippe, c'est un type qui est presque difficile à le faire dévoiler toute sa connaissance. Bon, ça nous arrive aussi un matin, s'il est bien décidé. On a une matinée au poème de Rimbaud. Pendant les vendanges, ça nous arrive. Donc il récitera un mot par cœur. Il a assez impressionnant. Bon, d'abord, moi je pense qu'on a quand même modestement sauvé environ 80 000 personnes. C'est mieux que rien. Je veux dire, il y a eu 800 000 morts. On a sauvé le 10%. Et puis, ben je pense aussi qu'on a occupé un énorme, et moi en particulier, ce que je déteste encore une fois, un énorme espace médiatique. On était dans tous les journaux, sur toutes les chaînes de télévision. Il y a un soir où on n'a pas parlé sur les télévisions francophones, où on n'a pas parlé du Rwanda, c'est le jour de la mort du pilote de Formule 1, Ayrton Senna. Ce jour-là, il n'y a rien eu sur le Rwanda. Autrement, il y a eu tous les jours quelque chose. En tout cas, la communauté internationale ne peut pas nous dire qu'on ne savait pas ce qui se passait. On a dénoncé tous les jours ce qui se passait. Je crois qu'aujourd'hui, l'odeur du sang est telle à Kigali qu'on élimine tout simplement à peu près tout ce qui bouge. Et que ne fût-ce que pour aller voler un peu de nourriture, on serait prêt à tuer son voisin, même s'il est de la même ethnie que vous. C'est indescriptible, c'est un peu lourd à porter, tout ça.
Qu'est-ce que ça t'a appris justement pour la suite de ta carrière, ce que tu as vécu au Rwanda? Je vais me relativiser un peu les choses. Pas se laisser surprendre par les événements, garder la tête froide. Rester humble. Et sur la nature humaine, ça t'a appris quoi? Il y en a qui sont plus vaches que d'autres. Et qu'il y a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de cons et d'imbéciles. Après le Rwanda, Philippe et Maria Teresa ont continué leur mission pour le CICR. Ils ont travaillé au Liban, en Hongrie, au Pérou, au Mexique ou encore au Cameroun. En 2007, Philippe a quitté le CICR, suivi 7 ans plus tard de Maria Teresa. Ils vivent aujourd'hui à Saint-Pierre-de-Clage, dans le Valais. C'est joli, ce Saint-Pierre-de-Clage, franco-provençal, Saint-Pierre-des-Clés, San Pedro de las Llaves, pas de problème, je suis chez moi. Qu'on a un sentiment d'impuissance. Mais lorsqu'on arrive à faire parfois des gestes concrets qui consistent à distribuer de la nourriture à environ 700 000 personnes, 700 000 personnes déplacées des deux côtés des lignes de front, lorsqu'on arrive à Kigali même, à traverser les lignes de front pour aller par exemple au stade national, chercher une femme qui a de la peine à accoucher, pour l'amener à l'hôpital du CICR en étant respectée en traversant les lignes de front. Cette femme arrive à l'hôpital du CICR, comme c'était le cas dimanche passé, 8 mai, lorsqu'on a fêté notre 130e anniversaire, puis que cette femme donne naissance à un petit garçon et qu'elle prend la décision de l'appeler Genève. Ça vous semblera drôle, à vous, en Suisse, mais enfin, c'est, oui, ça c'est le genre de choses sympathiques qui peuvent se passer.